Je sais pas vous, mais moi quand je vois ce genre de plan, ça me donne juste envie de reprendre mon vélo et d'aller rouler, et ben à nouveau. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va revenir sur le tout nouveau petit support de cintre made in Insta360 qui va sûrement répondre à une question que vous me posez souvent. Cédric, comment fais-tu pour te filmer tout seul? Jusqu'à maintenant je ne répondais pas à cette question car je n'utilisais pas forcément une méthode très conventionnelle pour me filmer. Soit Mathias me suit ou lorsque je suis tout seul, et ben, j'utilise une perche et je viens m'auto-cadrer. Autant vous dire qu'en termes de sécurité, d'efforts, de risque de blessure, tout ça est très élevé. Donc je ne pouvais pas vous recommander de filmer de cette sorte. Oui mais voilà, Insta360 m'a permis de pouvoir enfin vous répondre comment faire pour se filmer tout seul. Et bien grâce à son support, allez, revenons à ce support. Ce support est un support en plastique muni d'une perche qui va venir se placer à l'avant du vélo, garantir une focale fixe, un plan de vue fixe, et ainsi vous permettre de pouvoir continuer à utiliser votre vélo à deux mains, de parler, d'évoluer dans le décor, bref, de faire ce que vous voulez en oubliant la caméra. Ce support est donc compatible avec les cintres ronds. Oui, c'est un des impératifs de ce support. Il vient se visser au travers de deux points de fixation autour de la potence sur un cintre rond entre 25 et 32 mm. Et ensuite, on y retrouve trois points de fixation différents dessus, deux attaches type GoPro, un supérieur, un inférieur. Vous pourrez alors accessoiriser votre support en mettant par exemple en dessous une lampe avant pour encore plus de sécurité. Et au-dessus, vous pourrez par exemple y mettre une autre caméra ou alors un support de compteur pour pouvoir y mettre votre compteur. Et on retrouve à l'avant une attache qui peut venir se dévisser pour pouvoir venir incliner plus ou moins la caméra et venir figer la caméra pour pouvoir avoir ce point de vue si particulier que vous avez découvert en début de vidéo et que vous continuez à découvrir à l'arrière sur mon écran. C'est un vrai point fort ce support parce qu'il va vous permettre d'avoir une focale fixe. Comprenez par là un point de vue fixe, la même distance, toujours au même endroit sur le vélo, avoir vraiment un point d'ancrage et ainsi pouvoir, comme je l'ai fait en introduction, cumuler les plans avec la même focale, le même plan figé, mais avec un décor qui défile à l'arrière. Et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on ne peut faire que si l'on a un support ancré sur son vélo. Pour pas vous le cacher, lorsque j'ai installé ce support et que j'ai commencé à le toucher comme je suis en train de le faire, je me suis dit, oula, ça bouge quand même pas mal. Mais c'était sans compter cette petite perche qui fait environ 28 cm, plus la distance de la caméra, on est environ à 35 cm de son cintre. Elle est en carbone, cette tige, un carbone qui est quand même assez rigide, on ne peut pas vraiment le tordre à la main, et qui va venir filtrer les petites vibrations liées par exemple à un mauvais revêtement, les petites vibrations que l'on ressent dans le cintre. Donc tout ça va être gommé grâce au carbone de cette perche. Et ce petit mouvement là qui va permettre finalement à la perche de ne pas casser si vous allez taper dans un nid de poule, et bien permet d'assurer une bonne solidité et franchement ce n'est pas si dérangeant. J'ai été vraiment bluffé par les images lorsque j'ai déchargé pour la première fois des images prises avec cette caméra sur mon PC et que j'ai commencé à monter mon introduction par exemple. Je pensais vraiment que ça allait être beaucoup moins net, beaucoup plus tremblant, et ben non. La stabilisation flow state qui est à l'intérieur de cette caméra plus la perche qui permet d'avoir un point de vue figé, ancré à votre vélo, vous garantit une qualité d'image et une stabilité d'image plutôt impressionnante. La seule chose qui va venir déconcentrer ça, ça va être vraiment les gros nids de poule. J'en ai pris quelques-uns, vous pouvez le voir pendant que je vous parle, qui va vraiment venir créer un gros basculement. Bon, bah là, vous n'allez pas utiliser les plans à moins que vous vouliez montrer que vous avez failli vous casser la tronche. Et petit défaut aussi, à force de prendre ces défauts de la route un peu plus importants, j'ai remarqué que la perche avait tendance à se dévisser un tout petit peu comme ça. Il y a en bas de la perche des petites rondelles que lorsque vous allez vraiment venir serrer à fond, elles vont venir se verrouiller. On entend un petit bruit. Voilà, là ça a fait clic. Je ne sais pas si vous avez entendu. Et là, je suis sûr à 100% que la perche ne va plus se dévisser à sa base. Après, il ne vous reste plus que pour la caméra à venir bien fixer le contre-écrou pour qu'il soit au maximum vissé contre la caméra pour qu'elle ne vienne pas bouger. Mais malgré ça, j'ai eu quand même quelques petites mouvements de rotation qui m'ont obligé à venir resserrer un tout petit peu tout au long de ma sortie cette caméra, mais rien de bien dérangeant, surtout
lorsque je vois le résultat derrière de prise de vue. Franchement, pour avoir des souvenirs, pour pouvoir faire quelque chose comme ça de dynamique pour les réseaux sociaux ou alors pour vous-même, pour pouvoir remontrer des images à votre famille, de vos exploits, de votre montée de col, c'est vraiment un dispositif très intéressant et qui va vraiment, en toute simplicité et facilité, pouvoir vous filmer tout seul sans avoir besoin de personnes. Et ça, c'est vraiment cool. Ici, j'ai combiné la perche avec la Insta360, hop, je vais la dévisser, la Insta360 One X2, qui est une petite caméra 360, donc qui dit 360 dit double lentille, une de chaque côté. Et donc après, en post-prod, chose qu'on verra peut-être dans une prochaine vidéo, vous allez pouvoir soit montrer l'avant, soit montrer l'arrière, le côté, commencer à filmer la roue, puis remonter sur vous, soit filmer le ciel et redescendre sur l'avant. Bref, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, car ça filme vraiment l'intégralité de ce qui vous entoure, sans déchets. Vous allez vraiment pouvoir utiliser tout ce qui vous entoure pour pouvoir créer le film que vous voulez. Suivant des niveaux de plans différents, vous pouvez créer des effets de boules de cristal, ou alors de plans naturels, de fish eyes, ou de tiny planet. C'est un effet que j'utilise pas souvent parce que je trouve que la déformation est beaucoup trop importante, mais vous pourrez vraiment faire ce que vous voulez. La seule limite sera finalement votre créativité. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez Insta360, c'est qu'il vous laisse libre cours à votre création, il vous propose les outils, et après, vous vous débrouillez, vous faites ce que vous voulez, et ça marche vraiment bien. Alors ne croyez pas pouvoir faire une vidéo comme celle que j'ai faite en introduction comme ça, comme par magie, c'est pas un logiciel qui va venir la faire tout seul. Moi, j'ai décidé de la retravailler sur PC, ça prend du temps, il faut un PC. Mais sachez que vous pouvez aussi retravailler vos vidéos beaucoup plus simplement avec votre smartphone. On fera une vidéo complète de comment éditer une vidéo 360 d'une Insta360, donc avec votre smartphone. Il y a une fonctionnalité hyper simple qui consiste à prendre votre téléphone, vous pointez vers ce que vous voulez garder, vous choisissez votre champ de vision et ensuite vous avez juste à enregistrer votre scénario grâce à votre portable que vous allez tourner tout autour de vous et filmer ce que vous voulez. Ensuite, vous exportez, vous coupez et vous pouvez la partager comme ça sur les réseaux sociaux. C'est hyper intuitif et Insta360 est très bon dans sa suite logicielle smartphone. Finalement, la seule chose qui va manquer à cette caméra, c'est une compatibilité avec des cintres aéro. Vous le savez, moi j'utilise un vélo à l'année avec un cintre aéro, ça veut dire que je ne pourrais pas utiliser ce support à ce moment-là. J'ai de la chance d'avoir en ce moment le Origin qui a un cintre rond, celui que je décriais un peu dans ma vidéo en disant que c'était un peu old school. Bah ouais, mais force est de constater que finalement c'est bien pratique quand même dans certains cas. Ici, bah, je vais pouvoir utiliser ce support avec ce vélo. Bon, faut se dire que 95% du marché du vélo, je pense, est sous forme de cintre traditionnel rond. Donc, il n'y a que moi que ça dérange en gros. Donc, c'est pas vraiment un gros défaut. Rajouter à ça le petit défaut que ça a tendance un tout petit peu à se dévisser là au niveau des vibrations. Sinon, ça reste quand même un support qui est très très bon. À voir dans le temps s'il finit pas par casser ou autre au niveau du plastique. Je ne lui ai rien épargné. Je suis passé n'importe où, n'importe comment, sans me soucier que j'avais ça. Je me suis dit, bon bah quitte à ce que ça me coûte une caméra qui tombe au sol, c'est pas grave, il faut tester ce produit. Ça bouge, ça vibre, mais ça ne se voit pas à l'image et ça ne casse pas. Donc c'est plus que validé, franchement. Je suis vraiment impressionné par ce petit montage made in Insta360. Voilà, c'était ma petite présentation, ma petite review de comment vous filmer à la troisième personne sans avoir besoin de personne, je me répète. Donc si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens dans la description. Enfin, je vous mets un lien dans la description. Sachez que ce lien, c'est un lien affilié. Ça veut dire quoi un lien affilié? Bah, ça veut dire que si vous vouliez acheter un appareil Insta360, et bah pensez à revenir sur cette vidéo et cliquez sur ce lien pour l'acheter. Vous, ça vous change absolument rien, mais moi, ça m'apporte beaucoup. Donc voilà, un bon soutien de la chaîne NCT. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux. Je pense, sans me tromper, qu'on a atteint les 80 000 abonnés lorsque l'on va diffuser cette vidéo. Donc à chaque dizaine, bah, y a son petit concours. Donc je vous invite à me suivre sur les réseaux, Instagram, Facebook, YouTube, Strava, pour être au courant du prochain jeu concours à venir pour ces 80 000 abonnés. Merci à tous. Allez, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. On présentera la toute dernière Insta360 One RS pour ce qui est tech, vidéo, et pour ce qui est vélo, bah, tout plein de vidéos arrivées. 24 heures du Mans, la confection de mon mulet, bref, j'ai tout plein de choses en tête. Il suffit juste de les monter maintenant. Allez, ciao, à la prochaine. Bye.